le président pour les intérêts de nos clients. Monsieur Sunda Mamboni Saïdi. Oui. Monsieur Kia. Et enfin, Kassongo Kerekere Eric. Comparaissent à personne. Oui. Comparaissent à personne assistée de l'aide. Lando Papi, numéro 39. Oui. Magungu. Oui, ils comparaissent pour 100 personnes, assistés de leurs conseils. Maître Stéphane Kimanga, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, conjointement avec. K-I-N-E-S-S. Avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Le collectif. Maître Nata et le collectif, ça veut dire. Maître Koko. Monsieur le Président, nous avons acté, peut-être vous n'étiez pas concentré. Je vous excuse, Monsieur le Président, on a appelé son nom. C'était l'erreur matérielle, Monsieur le Président. Numéro 4. Maître, pose la question à votre client, il va parler en quelle langue. Monsieur le Président, le prévenu ne sait pas parler le français. Il parle seulement l'anglais. Comment nous allons? Le prévenu ne parle que l'anglais. Merci pour la parole. Voilà, maintenant vous pouvez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le président. Attends, laissez l'interprète. Guida. What is original? Utah. Juste en liminaire, quand on est encore au stade d'érudiment, identifier un prévenu, l'interprète. Donc, il y a un souci, soit pour nos deux clients, disons, les clients qui parlent l'anglais. Un code postal. You have a postal code. Oui. Yes. Utilisez le micro. Il a un code postal. Vous pouvez le donner. Can I get your postal code? 84088. Sorry? 84088. Et 80. 88. Sa profession? That's wrong. He's not even interpreting right. We need a different interpreter who understands English, please. Bon, il dit que les chiffres avancés ne sont pas fidèles. Il aura bien voulu avoir un autre interprète qui va dire fidèlement ce qu'il dit. I said 84088. So the court want to know if it's faithful. That is my zip code of where I live in America. Il dit ce fidèle, c'est son postcodale, poste comme un code postal des États-Unis. Build houses. La construction de maisons. Son code postal. Can you have your postal code? 8 4 0 0 8 1 1. Il est célibataire ou marié? Are you married or single? I am not married, no. Il est célibataire. Il n'a pas d'enfant. You have some children? No children. Il n'a pas d'enfant. Son adresse? Où est-il? Il pourrait également faire prendre le premier. Hein? Ça, ça va nous parler.
you want to give your address, or you're gonna do that behind the scenes? Can I do that behind the scenes? Il dit, il va faire ça en aparté. Ok. Le troisième qui reste là. J'ai l'impression de mettre Dungan à lui again. Du ballon de Kinshasa m'a été pour le compte de prévu Taylor. Merci, maître. Projette-moi avec. Projette-moi avec maître Albert Mpoké. Merci. Le 8-12 décembre 1987. Le nom de son père? What is your father's name? Paulin. En vue décédé? Is alive? Je suis. Il est mort. Sa mère? What is your mother's name? Cassa. C'est pas Jeannette. Jeannette is the first name. Oui, Jeannette c'est parmi ses prénoms. Elle est en vie ou elle est décédée? She's alive. Elle est morte. Il est de quelle nationalité? Elle est en vie. She's alive. Elle est en vie. Elle est en vie. Oui, elle est en vie. Elle est en vie. Lui là, il est de quelle nationalité? Where are you from? USA. Il est américain. Est-ce qu'ils avaient réussi les décisions de renvoi de l'auditeur militaire? Et ils avaient réussi ça? Ils vont comparaître à l'audience de ces juges. S'ils avaient réussi la citation à comparaître du tribunal, ils vont comparaître à l'audience de ces juges. Oui, ils ont compris. Bon, bon. Vous leur dites ceci. Hein? On va aller mollo. 19. Agissant en bande armée. Ils ont commis plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique. This armed group had perpetrated some terrorist acts intending to destabilize the institution of the country. Parmi ces actes-là, among those terrorist acts, il dit, dans sa détermination à mettre en péril les institutions de la République, commis des actes de violence sur le policier, agent de police Botek et Boling, Elodie, agent de police Kiesse, agent de police Koulou et le commissaire Emeka, des services au poste d'intervention de l'Arménie Lalou, quartier Devaux, en arrachant trois armes de type AK-47, portant respectivement les numéros 3210, 8947 et 3952. C'est-à-dire en résumé, hein, Lalou, on leur reproche le fait que durant la nuit du 18 au 19 mai 2024, parmi les actes qu'on leur reproche, c'est le fait de dire d'imposer les Congolais à tendre et ceci certains pays dont les nationalités sont représentées ici dans l'échantillon, si vous voulez, dans le groupe des prévenus. C'est un exemple que nous saluons en tant que Commission nationale des droits de l'homme. Parce que, comme vous le savez, nous avons conjuré lors des différentes rencontres des Congolais au Forum que la prise du pouvoir par la force, par les armes, est interdite. Si vous voyez la Commission, plutôt la Constitution au niveau de l'article 64, oui, vous verrez que ce n'est pas permis de prendre le pouvoir par la force. Et les Congolais doivent bannir et voire même se révolter lorsque refuser, si vous voulez, lorsque un groupe de gens veut prendre le pouvoir par les armes. Alors, d'autres textes conjugent cette prise de pouvoir par les armes, par la force, les codes
pénaux militaires et civils. Alors, l'ouverture aujourd'hui est un bon signal et la Commission nationale des droits de l'homme a déployé une mission d'observation judiciaire avec tous ses juristes et ses avocats pour couvrir et non défendre une partie ou une autre. Nous serons présents, nous ferons aussi notre rapport. Bien, c'est bien démarré. Oui, tout simplement observer le respect des normes pour un tel procès, tant pour les partis que pour l'État congolais représenté par le ministère public et les avocats. Le 26 juin 1985. Lorsque ce coup a été essayé, c'est-à-dire le 19 mars, nous sommes prononcés là-dessus et nous avons demandé que la commission enquête accélère les enquêtes et présente vite le prévenu devant leur juge pour que le procès soit fixé. Et là, on y est, et nous sommes en train d'observer les différentes phases, comme je l'ai dit, de ce procès que le public attend. Comment ça des citoyens à ce stade, je ne sais pas dire, je ne sais pas beaucoup parler par rapport à ça. Hein? Est-il que le ministère public a fait son travail? Il a établi des sur les renvois avec des faits mis à charge de nos clients. Il faudrait attendre que le procès se lance. Et on va commencer à instruire et là on saura effectivement si les charges retenues par le ministère public valent ou non. Présentement c'est un peu trop de mal pour charges. Pour moi je dirais que non, ça, par rapport à Jean-Jacques Wondo. Parce qu'on ne peut pas prendre des images, une photo de 2016 volée, présentée comme c'était hier, la vie était avec Samala. Qu'on s'effondre sur la vie qu'il a portée le 19, non, c'est la même que vous avez portée il y a 8 ans, qui peut commencer à porter son habit de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il travaillait pour une institution de la République. Est-ce que par rapport à ça, vous pouvez dire c'est trouvé dans ce genre de choses? Il était avec nous depuis 2016, il ne s'est plus jamais revu. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Vous avez formé une association de bienfaiteurs. Hein? Il faut d'abord que vous puissiez vous retrouver pour former l'association, que vous devez vous réunir. Il y a des éléments constitutifs, n'est-ce pas? Qu'il y ait une organisation, qui est le chef, qui fera ceci, qui fera cela et autre. Oui, ce n'est pas seulement dire à ce moment-là faire dire comme ça. Non, il y a des conditions. Est-ce que ce que vous avez réuni, c'est je ne sais pas vous dire, mais je ne pense pas. Malheureusement, non, pour certains. Parce qu'il y en a qui ont été torturés. Il y en a qui portent encore des traces d'ailleurs sur ces mains. Comment est-ce qu'il avait été dit ou c'est pas un chien? Donc, soulever ça de comme les traces sont encore visibles. Hein. Vous savez toujours que, d'ailleurs, c'est une bonne chose que. Qu'il comparaisse rapidement, quelques jours seulement après les faits. Hein, sinon, si on avait attendu une année, tout ce sera cela, vous ne pas vous dire que vous avez des preuves. Maintenant, nous avons des preuves. Mais comment faire? Nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas continuer à ligoter les gens avec les corps. C'est pas ça. Comment? Il y a des menaces quand même. Colonel magistral Ibaya, avocat général, à l'auditorat supérieur. Et qu'est-ce que vous faites à ce Le procès vient de commencer. Je crois que vous avez assisté, vous avez suivi.
vous avez suivi. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, soutenir l'accusation. Soutenir l'accusation. Quelles sont les accusations que vous mettez en avant-plan? Je sais qu'il y en a 6, mais oui. Les principales accusations. Oui, au fait, parce que vous avez suivi. Vous avez suivi la lecture de l'extrait des rôles. Vous avez aussi suivi, n'est-ce pas, la lecture tout à l'heure des décisions des rôles. Les juges, n'est-ce pas, ont commencé par lire la prévention relative à l'attentat. Après avoir lu la prévention relative à l'attentat, il a fait état du terrorisme, l'association de malfaiteurs, il y a le meurtre, il y a la tentative d'assassinat et la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Je crois que vous avez suivi. Et tout ça s'emmène jusqu'à la peine capitale. 20 ans de prison, c'est ce que le législateur a prévu. Ce n'est pas que nous inventons la roue. Vous savez, les principes de la légalité des délits et des peines constituent, n'est-ce pas, une forme de rempart pour le magistrat, pour le juge dont nous ne pouvons pas aller au-delà. Ce que le juge a rappelé tout à l'heure, il a simplement, n'est-ce pas, rappelé l'article qui, n'est-ce pas, punit tel comportement. Et il a simplement rappelé le taux de la peine que le législateur a prévu. Vous pensez que c'est prévu en attendant le fond, on réellement posé l'acte de vous bon, écoutez, je ne voudrais pas, je voudrais simplement vous rappeler que les lois de la République du Congo, n'est-ce pas, prévoient, n'est-ce pas, prévoient et garantissent la présomption d'innocence. N'est-ce pas? L'officier de ministère public est venu avec une série d'accusations pour ce qui s'est passé la nuit du 18 au 19 mai 2024. Ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa est connu de la quasi-totalité, n'est-ce pas, des Congolais. Parce que certains ont suivi, n'est-ce pas, dans les médias, certains ont suivi, n'est-ce pas, des déclarations faites par Christian Malanga dans l'enceinte, n'est-ce pas, du palais de la nation, portant par la tenue que je porte ici, parce que ça c'est la tenue, n'est-ce pas, la tenue de force, portant, n'est-ce pas, une tenue militaire et porteur des armes. Ils ont fait des déclarations. Et je crois que c'est le travail que la cour, n'est-ce pas, des tribunaux va faire, c'est-à-dire les interroger autour de ça. Il y a certains prévenus, je termine par là. Je crois que quand le procès va commencer, les juges auront, n'est-ce pas, l'occasion d'exploiter la phrase de la belle pièce à conviction. Je vois de qui vous faites allusion. Les juges auront le temps d'exploiter, n'est-ce pas, la phrase de la pièce à conviction. Je crois qu'il faut attendre ce moment-là. Après, vous allez nous reposer la question. Alors, la phrase de pièce à conviction, il y en a. Lorsqu'il sera question d'analyser ces pièces, vous allez suivre l'audience et vous reviendrez pour poser la question. Je ne voudrais pas que nous puissions mettre la charrette devant le bœuf. Il faut attendre que les juges puissent instruire. C'est un sujet des sujets étrangers. Le pays demande l'extradition. Bon, vous savez, la notion d'extradition est déjà défini autrement, ce n'est pas ce que vous avez dit. Ces sujets, n'est-ce pas, étrangers, ont commis des faits dans la République du Congo. Et la République du Congo, dans le respect, n'est-ce pas, de la loi, ainsi que des conventions internationales que nous avons, n'est-ce pas, ratifiées. Plusieurs conventions internationales que la République du Congo a ratifiées et qui tient, n'est-ce pas, à respecter. Au moment opportun, après assurément les procès, si à l'issue, je crois qu'à l'issue de ces procès, assurément que vous aurez des réponses. Allez lire, parce que vous allez vous rendre, vous n'allez pas lire, lors de l'instruction, lorsque le tribunal procède à l'exploitation des procès verbaux, vous allez vous rendre compte à l'évidence que. D'ailleurs, au moment de leur audition, la quasi-totalité ont été assistés par des avocats qui sont là. Et ces avocats n'ont pas dénoncé, n'est-ce pas, des griefs. Donc nous pensons que, n'est-ce pas, la justice congolaise a
à, n'est-ce pas, respecter, à respecter, n'est-ce pas, les droits des prévenus et, n'est-ce pas, se conformer, n'est-ce pas, aux conventions internationales sur, n'est-ce pas, les droits de l'homme. Ils sont là. Je crois que vous ne les voyez pas avec des bobos. Hein? Ils sont bien portants. Donc ça dit que la République, hein, malgré, n'est-ce pas, leur comportement, a pris des soins de chercher des avocats pour les assurer. La République, n'est-ce pas, les a nourris et continue à les nourrir. N'est-ce pas? Vous avez vu qu'ils sont pétillants de santé. Pétillants de santé. Je crois que vous avez remarqué. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Il va revenir. On termine d'abord avec les autres. Wono, on y a une urgence. Où ça va, Moussa? Nazan, nettoyeur, technicien de circuit. Lobby? Nazan, Aza, Amante. Aza. Ah, Aza, Banda a fidèle à qui? Finalement, oui. Tu gagnes en bas. Oui. Ok. Vous soyez qui décide de renvoyer à l'austère. Bonjour. Bienvenue au prochain tribunal. Bonjour. Vous soyez qui fait mon candidat tribunal à l'oubli au San Marino. Bonjour. Voilà. Des motifs d'accusation. L'auditeur militaire ainsi que la brève explication par rapport au grief retenu par l'auditeur militaire de garnison. Nous sommes. Il est 17h15. Les prévenus doivent regagner l'air d'octroi et que nous sommes obligés de suspendre. On les propose à ce qu'on renvoie à demain. Regardez la loi. Pour la garantie des droits de la défense. Non. Et c'est un État civilisé dont l'article 1er de la Constitution énonce au premier alinéa que cette République est un État de droit. À cet égard, après concertation avec mes excellents confrères, parce que ce n'est pas une position du doyen. Monsieur, nous allons à la nuit maintenant. Pourquoi vous êtes agité, hein? Écoutez le président. Écoutez hein? Le président, maître. On va vendredi prochain. Vous dites que c'est un grand dossier, c'est pas un grand dossier. Là, ce sont des décisions de renvoi. Hein? Vous allez trouver un prévenu qui n'a que deux, trois droits. Monsieur le président du tribunal militaire de Gabizo Kinshasa Goumé, mon major, au dernier de séjour est levé. Le dernier séjour est 14 juin 2024 à 9h en ce même lieu. Les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. Félicitations pour la prestation. Arme au pied repos. Pardon, major. L'audience de séjour est déclarée ouverte
armes au pied repos. À son bonjour. Avant d'accorder la parole au greffier pour la lecture de l'extrait de rôle de ce jour, nous voulions commencer par identifier les organes de presse, parce que là, nous voyons plusieurs organes de presse. Cette audience, là, nous allons demander au ministère public pour que nous puissions savoir qui est en train de couvrir la présente audience. Sylvain, est-ce qu'il y a une liste par rapport à ce... Voilà. Il y a la presse de la haute cour militaire. Monsieur Nimbu Dongala Vincent. 18, Monsieur Batima Mbaki Redi. 19, Monsieur Katalaï Fazil Richard. 20, Monsieur Kassongo Osiang Kien. 21, Monsieur Mpakata Dizutouman. 22, Monsieur Baekola Ntimba Jean. 23, Monsieur Malongi Kiouma Roger. 24, Monsieur Mbouyaka Sacharles. 25, Monsieur Malanda Vangila Albert. Monsieur Zaki Mouena Landou Papi. 38, Monsieur Madame Lunungu Matamagi. 40, Monsieur Louis, Madame Louis Ndoula Yongo Ange. Prévu par les articles 4, 44 et 45 du Code pénal militaire. Association des malfaiteurs, prévu par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal ordinaire, livre de meurtre. Prévu par Mata Magui. Prévu Luindula Yongo Ange. Mkeram Koubou Jidit. Prévu Mbema Nona Mado. Prévu Mambote Luindula François Alias Parafar. Prévu Sunda Mangwendi Saïd. Prévu Yala Mouki Elvis. Yala. Prévu Lumwamu Mouzinga Bernard. Prévu Mataya Mouilou Trésor. Prévu Kassa Tangi Didi. Prévu Kassongo Sabo Marius. Prévu Mungangu Mirouki Halwa Ephraim. Prévu Taki Prince à votre vice tribunal. Il a la liste des prévenus. Christian Malanda et Aboubakar et non autrement identifiés. En constatant l'extinction de l'action publique à leur égard, nous avons dit, Monsieur le Président. Merci au nom de la loi. Reprenant le nom de Prévenu Malanda Christian et Aboubakar, il est renseigné que ce dernier. J'assiste le Prévenu Salman. Poulon Benjamin. Complètement avec Maître. Merci. Oui. Maître Michel Eguia Limando, je suis avocat au barreau de Kinshasa Makete et du barreau du Nord Ubangi. J'insiste, monsieur, quel est Mouela Rifin, qui est le 28e nom sur la liste. Qui est la Mouela Rifin. Je ne sais pas si c'est la même liste. Ouais, c'est la même liste. Ok, merci. Avec
conjointement avec Maître Elie Omekoko Osomba, avocat au barreau de Kouin. Merci. Oui, madame. Défense conjointe avec Yannick Tiala, avocat Père à Fond d'Appel de Kouin. Pour Riffin. Conjointement avec Maître Pierre Nomo Milambo. Je suis avocat au barreau Père à Fond d'Appel de Kouin. Merci, madame. Le suivant. Aux intérêts de nos clients, Mouleka, Loukoubou, Judith. Moukela, Loukoubou, Judith. Oui. Louyundula, Yongo, Ange. Oui. Mbayo, Mangaza, Adolphe. Mugangu, Ndirou, Ire, Ephraim, Avio, Kunda, René. Avio. Conjointement avec Maître Sheila Massingo, je suis avocat au barreau près de la Cour d'appel du Congo central. Toujours pour M. Jean-Jacques. Oui.